الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hier, nous t'apprenons concernant valeur et l'importance pour un miché, les faire namaz en jamaat dans masjid. Et nous te dire que l'obligatoire pour un zoom, pour les faire namaz en jamaat dans masjid, nous cause man namaz faraz. Et nous t'amène un ayat Coran qui trouve dans la surah An-Nisa et des hadiths Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour montrer cette obligation. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de sa hadith qui nous cite hier là, lui fait nous qu'en concernant certaines bonnes récompenses qui un djimoun les gagne quand il fait un namaz en jamaat dans masjid, s'il fait sa namaz devant les autres places, à porte masjid, de la case, de bazar, de bureau, il n'y a pas gagné sa récompense. Premièrement, namaz qui un djimoun les fait en jamaat dans masjid les 25 à 27 fois meilleur qui namaz qui les fait dans n'importe qui les autres places. Deuxième, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à sa djimoun là, si les fait sur wazou la case et condition les fait aller bien, et ensuite, les fait sortir, les fait quitter sur la case, sur l'intention, zis namaz, zis pour lier le masjid, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les fait nous connaître, chaque pas qui sa djimoun là fait, Allah élevé un degré pour lui, et un péché effacé pour lui. Action qui est là avec nous aujourd'hui, c'est concernant faire un namaz janaza pour un celui qui finit mort, et ensuite, quand fini faire son namaz janaza, nous assister, mettre sa djimoun là de son kabar, nous assister en tiali. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui trouve de Bukhari et Muslim, man shahida janazatan hatta yusalla alayha. C'est lui qui l'a assisté en janaza jusqu'à qu'il fasse son namaz. C'est-à-dire, un djimoun fin mort, nous assister, nous suivre sa janaza là, jusqu'à qu'il fasse son namaz. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, falahu qirat, sa djimoun là, il y a récompense en qirat. Wa man shahidaha hatta tudfan. C'est lui qui l'a suivre sa janaza là, c'est-à-dire qu'il finit faire son namaz, il continue à suivre lui. Jusqu'à, hatta, tout de fin, jusqu'à qu'il entier sa djimoun là, jusqu'à qu'il mette de son kabar, falahu qiratan, les gars récompensent des qirat. Mon sahaba fin demande à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un mot qui, je peux t'en dire première fois. Wamal qiratan, qui était ça, sa qiratan là, sa déqirat là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, mithlu al jabalain al azimain, likuma des grands montagnes. Et il y a les autres riwayettes qui fait nous connaître les kouma des grandes montagnes et qui montagne ça, montagne Uhud. Ban qui fin al Umra ou Swahaj, fin fait ziyarat montagne Uhud, je peux réaliser, je peux reconnaître que vraiment c'est une grande montagne. Montagne Uhud, vraiment c'est une grande montagne. Ce hadith là bien montre nous qui récompense que Allah subhanahu wa ta'ala fin réservé pour un celui qui les suive en janaza jusqu'à qu'il fasse son namaz. Quand il finit faire namaz, il continue à suivre janaza là jusqu'à qu'il mette sa djimoun là de son kabar, il a une récompense bien énorme que Allah subhanahu wa ta'ala fin réservé. Les gars récompense des grandes montagnes et pas n'importe quelle montagne, montagne Uhud, et il y a un riwayat qui même dit plus petite récompense là, c'est récompense montagne Uhud. Assez, imagine-nous, plus grand là, comment il peut être. Ce hadith là, ben, savant, quand il explique concernant ce hadith là, il est bon qu'il y a plusieurs scénarios qu'on peut cause concernant suivre un janaza, nous peut cause concernant faire un amas janaza, nous peut cause concernant entier un djimoun, mettre un djimoun de son kabar, il y a plusieurs scénarios. C'est action qui fait un djimoun gagne. Meilleure récompense et récompense qui est plus complète, c'est celui qui
Les suivre sa janaza là depuis la case. Les suivre sa janaza là depuis la case. Veut dire depuis janaza là fin quitte la case. Ça dit monde qui fin mou là, les suivre les jusqu'à qui a place qui pour faire namaz janaza. Les capables d'un masjid ou soit les capables de Kabarastan, veut dire les suivre depuis la case pour aller jusqu'à soit masjid ou soit Kabarastan. Parce que comme nous connaissons, il y a des gens depuis sur la case, les pour aller place qui pour faire namaz janaza. Depuis sur la case, les pour aller place qui fait namaz janaza. Veut dire les pas pour venir. Quand ça dit monde qui fait moula sur la case, les pas pour participer, veut dire que petit ça dit monde là sur janaza depuis la case pour amener les place que pour faire sur namaz janaza, les pas présent. Imam An-Nawawi et aussi Al-Hafidh Ibn Hajar lui dit. Et un autre hadith qui est rapporté par Qabbab, qui est rapporté par Muslim, lui dit, c'est lui qui est sorti avec un janaza. Depuis la case, ça dit le monde qui fait une moula. C'est lui qui est sorti depuis la case, ça dit le monde qui fait une moula. Veut dire, il peut suivre janaza là, depuis la case, ça dit le monde qui fait une moula. Veut dire, depuis le début. Et Imam Ahmed lui rapporté un hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui c'est lui qui l'immense avec sa janaza là. L'immense avec janaza là depuis sa dimoun qui finit décédé là. Sur la case, comme nous dit, pour aller jusqu'à place qui vous fait namaz janaza. Et non pas depuis sur la case, l'al direct place qui vous fait namaz janaza. Et sa parole là, l'est rapportée aussi par Al-Muhib Al-Tabari et ben les autres encore. Veut dire pour les gars, sa récompense. Qirat là, faudrait qu'il suive sa janaza là depuis sa jimoun qui finit décédé là sur la case. Depuis sur la case, et ensuite, il al jusqu'à Kabarastan ou soit masjid parce qu'on peut faire namaz janaza. Et Imam An-Nawawi lui dit, ce qui impliquait, veut dire pour jimoun là, il gagne sa déclarante là, faudrait qu'il sa jimoun là, il suive sa janaza là depuis qu'il quitte la case jusqu'à qu'il mette sa jimoun là dessous Kabar. Jusqu'à qu'il mette sa jimoun là dans son kabar. Et il y a plusieurs scénarios, comme nous finissons dire. Premier, comme nous finissons dire, un jimoun, il suit sa janaza là, depuis sa jimoun qui finit là sur la case, jusqu'à masjid, ou soit kabarastan, que pour faire namaz janaza. Et ensuite, quand il finit faire namaz janaza, il suit sa janaza là. Parce qu'il y a un jimoun, il est plus pressé. Et dans le monde, les plus pressés, quand la masse d'Anaza finit, il y a le port devant. Il y a le port devant, vite, vite, les galoupés, les halles, côte Kabar pour entier sa zimoun là. Pour gagner sa récompense là, donc premier, vous avez suivi d'Anaza là depuis la case, et ensuite, déjà, quand la masse d'Anaza finit, quand pour al Kabarastan, pour al jusqu'à côte, hein, Kabar, sa zimoun qui finit là, bizarre, nous ensemble avec d'Anaza là. Bizarre, qui nous ensemble avec d'Anaza là. Pareil, comme nous finissons dire, parole de Imam An-Nawawi, rahimahullah. Ça, c'est les gains récompenses complètes, les gains, ça dégrand, qirat, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait mentionner. Deuxième scénario, comme nous dire, c'est, ça dit, moun là, qui peut suivre, ça, qui peut faire la masjid janaza là, les sorties depuis sur la case, les al-masjid, ou soit les al-kabarastan, que pour faire la masjid janaza. Et ensuite, les gains récompenses en qirat. Les gains récompenses en qirat, mais c'est non récompense, ça n'est pas pareil comme en celui qui les fait suivre depuis la case, ça dit le monde qui fait le mot là. Récompense, ça n'est un ticket moins. Troisième scénario, c'est que en dit le monde les fait juste la masse d'anaza. Les faire juste namaz janaza et ensuite les retourne sur la case. Il y a un travail pour les faire, par exemple. Il fait juste namaz janaza et ensuite il fait une retourne sur la case. Et d'après ça, hadith là, ce qui est apparent, alors, ça dit mon là, les gains récompensent un seul qirat. Les gains récompensent un seul qirat. Un autre scénario, un jimoun, il n'y a pas de faire namaz janaza. Il n'y a pas de faire namaz janaza, il peut juste assister, mais ça jimoun là de son kabar. Ça n'a là, ben savant de dire, que ça jimoun là,
li pa gagne aucun qirat dans sa cala. Li pa gagne aucun qirat dans sa cala. Mais seulement ça dit mon là, il y a une récompense pour le gagner d'après son intention, d'après action qu'il vient de faire, d'après son intention. Mais récompense que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner dans sa hadith là, il n'est pas gagné. Récompense que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner dans sa hadith là, il n'est pas gagné. Donc, si nous on vit, nous aurons une récompense qui est plus complète, plus meilleure, et comme nous venons dire, récompense à peine, tu récompenses à une récompense qui est bien énorme, des qirats, des grandes montagnes, et plus petit petit là-dedans. Pour m'a rapporté dans certaines manhadiths, c'est montagne Uhud. Parce que imagine nos plus grands récompenses, qui qualité les pour énorme, qui qualité les pour beaucoup. Parce que, les tristes pour nous dire qu'il y a nos jours, nous pas trouver cette action-là, vous suivez un janaza, vous faites un amas janaza pour un celui qui finit mort, vous assistez jusqu'à mettre dans son kabar, vous pas trouver ça comme une action importante. Une action qui me trouve là, une action qui est simple. Vous trouvez une action simple. Faudrait une famille proche même, fin mort avec moi, un fin mort pour moi, pardon, les Allah qui me pour assister ça, maillette là. Faudrait une famille proche. Pas nécessairement qui, pour moi, fait un amas d'anaza pour un dimon qui fin mort, pour moi, al, assister, mettre de son kabar, pas nécessairement qui, faudrait mon obliger mon jeune sa dimon là. Obliger mon cause avec lui. Faudrait mon jeune lit de mon avis. Mon cause avec lui. Mon con lit. Non, pas nécessairement. Les capables d'un dimon qui m'ont pas connu, mon t'en dire, mon gars une nouvelle, mon trouver, le bon réseau social, le Facebook, par exemple, un tel musulman finmo, qu'il y ait une Michel, qu'il y ait une madame, tel Léa Mayette. Et dans ça, Léa, là, dans ce moment-là, mon libre. Dans ce moment-là, mon libre. Vous pouvez en avoir pour faire, vous profiter. Vous profiter, même moi, pas qu'on dit mon là, même les pas famille avec moi, même les pas mon camarade, même les pas mon voisin, vous profiter si un dimon y est intéressé pour gagner récompense. Si un dimon y est intéressé, pour une récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, les pour autres l'occasion comme ça. Les pour autres action qui vous fait une grande récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala et les pour assister sa mayette là. Parce que, dès nos jours, ce qui dit monde plus intéressé dans une mayette, ce qui dit monde plus intéressé, c'est trop figure. Ce qui est plus important pour lui, quand dit monde fait mort, il a besoin d'être figure. Si il a une figure, ça même assez pour lui. Ça même suffit. Même les man fait un amas, pas fait n'en y. Même les man fait un amas pour sa dimoun qui fait une moula, pas fait n'en y. Même les man al kabarastan, les man assisté anti-ali, pas fait n'en y. Pour venir laisser trouver sa dimoun qui fait une moula, ce figure. Mais bien aucun hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait un djanou. Quand un dimoun fait une moula, si on get ce figure, alors c'est gâté une récompense. Non. Mais au contraire, si nous pouvons faire un amas d'un amas pour sa dimoun qui fait une moula, nous pouvons assister à mettre de son kabar, ça est une récompense. Ça est une récompense. Donc, quand nous pouvons faire un amas janaza pour un celui qui fait une mort, premièrement, ce qui nous besoin connaît, c'est nous pouvons une grande récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons une grande récompense avec Allah. À travers un amas janaza, nous pouvons une récompense en qirat. Nous pouvons une récompense en qirat. Si mon fin suivre janaza là depuis la case, depuis sa dimoun fin moula sur la case jusqu'à place que tu fais namaz janaza, mon gars, un qirat. Si depuis moula case, ou son n'importe qui place, mon al direct que tu fais namaz janaza, vous pas suivre janaza là, mon gars, récompense là, un petit moins. Deuxième petite chose, comme on peut faire namaz janaza pour un celui qui fin mou, connaît qui, mon peut profiter sa dimoun qui fin moula. Mon peut profiter sa dimoun qui fin moula. Qui fait nous faire namaz janaza? Nous faisons un amas janaza pour nous demander un droit pour ce dimoun-là. Nous demandons un droit qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-lui. Qui Allah protège contre punition kabar, qui Allah protège contre punition l'enfer. Ça même quitte chose qui est plus bizarre dans ce moment-là. Ce dimoun-là, ça même quitte chose qui est plus bizarre de nous dans ce moment-là, c'est nous droit. Droit sincère qui sortit de nous l'équerre. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, faire droit sincèrement. Et dans les autres hadiths, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. 40 dimoun qui fait un amas janaza. 40 dimoun qui ne peuvent mettre aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, fait un amas janaza. Pour un dimoun qui fait mort, Allah pardonne sa dimoun là sur mon péché.
Allah pardonne sa jimoun la, son man péché. Donc, à travers nous namaz janaza, qui nous peut faire pour un celui qui fait mort, à travers nous namaz, peut-être sa jimoun la, à travers doigt qui nous peut faire, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne son man péché. Est-ce que nous passons pour content demain? Mon mot, nous passons pour content demain, mon bon frère musulman, fin vini, peut faire namaz janaza pour moi, peut demander doigt pour moi, nous tous nous pour content ça qui te chose. Donc, pareil, comment vous content? Demain, quand mon mot, beaucoup de monde vient me maillet, beaucoup de monde fait mon namaz janaza, beaucoup de monde peut demander doigt pour moi, moi aussi, mon bizarre content, quand mon frère musulman fin mot, il bizarre moi dans ce moment-là, alors aussi, me trouver, mon libre, faire ses faux, al faire namaz janaza pour sa jimoun là, demande doigt pour lui, nous pas connaître qui s'en là ce doigt, qui Allah subhanahu wa ta'ala capable d'accepter. Toujours concernant namaz janaza, un rappel, en bref, concernant la façon qu'il nous fait namaz janaza, c'est un namaz qui peine à azan, qui peine à iqama. Il est triste pour nous dire que beaucoup de monde, parce que c'est pas un namaz qu'il fait tous les jours de sa vie, beaucoup de monde qui fait namaz janaza, il pas connaît qui bizan lia. Il pas connaît qui bizan lia. Namaz janaza, il a quatre takbir. Premier takbir, nous fait Allahu Akbar, nous lia surah Fatiha. Deuxième takbir, nous lia daroud, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Troisième takbir, nous fait doua pour sa jimoun qui fin moula. Quand nous disons, ça même qu'il est plus besoin de nous dans ce moment-là, là, c'est doua. Demande doua avec Allah sincèrement, comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseignant, Allahumma gfir li hayyina, ou Allah pardonne nous ban qui fin mou. Pardon, Allahumma gfir li hayyina, nous ban vivant, ou mayyitina, ban qui fin mou parmi nous. وصغيرنا وكبيرنا بان تبتي بامينو اي بان غران وذكرنا وانثانا بان ميشي بامينو اي بان مدام اللهم من احييته منا او الله سلوك تفين فالي فيف بامينو فاحيه على الاسلام فالي فيف لو اسلام ومن توفيته منا سلوك تفين فالي مو بامينو فتوفه على الايمان فالي مو لو ايمان اي انسوط انا من لزو دوانكو كي الرسول صلى الله عليه وسلم فين انسينو. Quand nous finissons la masse d'anaza, comment nous dire, nous dans les temps, nous pas pressés, nous suivons sa janaza là, prends des puits, masjid, ou soit, la Kabarastan, quand nous finissons la masse d'anaza, nous suivons sa janaza là, nous suivons janaza là, jusqu'à qu'il puisse amener l'écoute sur Kabar. Jusqu'à qu'il puisse amener l'écoute sur Kabar. Comment nous dire, nous pas pressés, nous appelons devant nous. Nous restons ensemble avec Janaza là, jusqu'à ce qu'il nous amène les côtes au Qabar. Nous avons une récompense, un deuxième qirat, comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Donc, comme on peut assister pour hanter un djimoun, nous avons une récompense, un deuxième qirat, et ensuite, ça devient un rappel pour nous. Ça devient un rappel pour nous. Un rappel, qui quelque chose qui vient à nous l'esprit, comme on peut mettre sa djimoun qui fait une moula dans son Qabar. Quelque chose qui vient à mon esprit. Première chose qui vient à mon esprit, c'est que demain, c'est Bandimoun qui vous mettre moi dans mon Qabar. Demain, au bout de sa place là, mon content, mon pas content, c'est une réalité. C'est une réalité qui suit et c'est éteint, il peut venir. Ça, il fait nous rappel concernant nous l'amour. Ça, il casse ma jouissance, ma plaisir qui nous peut tirer depuis sa dunya là. Il casse ma plaisir, ma jouissance qui nous peut tirer depuis sa dunya là. Il fait nous rappel sa réalité qui appelle l'amour là. Il fait nous rappel sa réalité qui appelle Qabar là. Une place qui est effrayant. Une place qui est effrayant. Donc, à travers, nous pouvons assister, nous pouvons mettre un djimoun de son Qabar, ça vient un rappel pour nous. Concernant nous l'amour, ça vient un rappel pour nous. Qui nous aussi pareil, bientôt, très bientôt, pas aucun doute là-dedans. Nous aussi, nous venons de sa place là, et ça lui aide nous pour nous améliorer nous la vie. Ça lui aide nous pour nous améliorer nous la vie. Ça lui aide nous pour nous plus la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça lui aide nous pour nous préparer pour sa jour là. Ça lui aide nous pour nous préparer pour sa jour là. La cause même que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin recommande nous, zour al qubur, visite ban qabar. Qui fait ça, il fait nous rappel concernant nous l'amour. Visite Kabarastan, il fait nous rappel concernant nous l'amour.
Donc, nous bénissons récompense et ensuite, ça devient un rappel pour nous. Mais si arrivé me trouver qui me devant un kabar, me devant un kabar, me peut mettre un djimoun de ce kabar, ça va faire aucun effet au moins. Il y a certains djimoun. Ça va faire aucun effet au lit. Il saute de Kamarastan, il retourne la case, ou soit en chemin, l'infini commence avec ce moment de désobéissance. Sur la vie, elle retourne normal. Sur la vie, elle retourne normal. Ça, c'est un mauvais signe. Ça, c'est un mauvais signe. C'est un signe qui nous les est malade spirituellement. C'est un signe qui les est là, fin vin rose. Si mon père un kabar, si mon père entier un djimoun, pas fait aucun effet au moi, veut dire qu'il me les est malade spirituellement. Mon les est fin vin rose. Vous misez traite les plus vite possible avant qu'il amour vienne sur moi. Vous misez traite les plus vite possible avant qu'il amour vienne sur moi. Donc là, nous avons une période de confinement. Quand sa période là finit terminée, quand nous t'en dire finit en avant de maillette, pas dire, pas ma famille ça. Pas dire, je pas connu les amis, je trouve les amis, je ne joue pas. Non. Nous allons sa maillette là. Nous faisons un mal jusqu'à ce qu'il entier sa djimoun là. Zis avec un seul l'objectif. Zis avec un seul but. Mon apprendre ce hadith là. Mon mettre ce hadith là en pratique. Afin qu'il soit capable de faire sa grande récompense là. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas tout le monde qui pour intéresser pour faire sa action là. Pas tout le monde qui pour intéresser pour faire sa action là. Seulement. Ban qui fin comprend l'importance valer bon action de sur la vie. En qui fin comprend l'importance et valer bon action de sur la vie. Et en qui fin comprend qui à travers sa bonne action là. Combien de temps écoute nous ça? Peut-être un temps et demi maximum. Dans sa un temps et demi là. Nous avons récompense des prérotes, des grandes montagnes. Récompense là, les bien énorme. Récompense là, les bien énorme. Et chacun parmi nous, nous besoin route sa bonne qualité action là. Route bonne action qui pour aide nous, pour nous augmente, nous balance bon action. Afin que, dans nos kabar, et au qiyama, quand nous sommes présents devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous connaissons que nous finissons faire bonne bon action dans la terre là. Sa bonne bon action là, qui, inshallah, les pour aider nous pour nous capables de gagner Allah subhanahu wa ta'ala sur le paradis. Demandons avec Allah que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ce qui nous fait apprendre et que Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous mettre sa action là en pratique dans l'avenir. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.